Y para cerrar, tenemos nuestra última conferencia a cargo del señor Carlos Solórzano Membreño. Él es doctor en Ciencias del Lenguaje y Didáctica de Lenguas y Culturas de la Universidad Jean Monnet en Francia. Posee un Máster 2 en Artes, Letras, Lenguas con orientación en Investigación y una maestría en Francia, en francés, perdón, lengua extranjera. Es formador de formadores, docente e investigador en el área de francés y era el antiguo coordinador general de la Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha laborado en la Universidad Autónoma de Honduras, disculpe, ha laborado en la Universidad Católica de Honduras, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en la Alianza Francesa de Tegucigalpa. Ha realizado investigaciones en didáctica del FLE, del plurilingüismo y del pluriculturalismo en fonética y fonología, didáctica de la pronunciación y didáctica de lenguas indígenas. Ha sido revisor de ponencias, artículos científicos y ha participado en numerosos congresos en sus campos de trabajo. Ha publicado diversos materiales para el aprendizaje del francés para diversos públicos y se encuentra trabajando actualmente en un manual de garífuna, ¿verdad? Y el nombre de la conferencia que tenemos hoy es La comprensión de langue voisine intégrée dans l'approche par l'étage dans une perspective actionnelle. Le damos un fuerte aplauso a nuestro conferencista de hoy. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Et merci aux personnes qui sont connectées sur Zoom aussi. Aujourd'hui, c'est la troisième des conférences. C'est avec plaisir que je me trouve là ce soir parmi vous. Et je remercie énormément l'Université nationale de Costa Rica pour l'invitation, spécifiquement notre amie Gabriela, qui nous a donné un recibimiento, j'aime bien le mot recibimiento, très chaleureux ici au Costa Rica et à l'université. Donc voilà, la troisième conférence, ça va être en français aussi. Et voilà, ce soir, on va parler de l'intercompréhension des langues voisines et comment elle est intégrée dans l'approche par l'étage, dans une perspective actionnelle. Alors, je vais parler de deux choses. Donc, je vais diviser la présentation en deux sujets. D'abord, l'intercompréhension des langues voisines, qu'est-ce que c'est que ça? Et l'approche par l'étage, comment elle est intégrée dans l'approche par l'étage. Alors, donc, commençons par l'intercompréhension. On peut les appeler langues voisines ou parentes, apparentées, de la même famille, similaires, proches, etc. J'ai choisi le mot voisine parce que ça regroupe un peu le tout, les langues voisines. Nous allons voir en détail de quoi on parle. J'aimerais bien, avant de commencer, faire un petit résumé de l'évolution des méthodologies. C'est en espagnol le document, mais c'est grâce à l'intercompréhension que vous allez comprendre son problème. Alors, d'abord, nous avons la linguistique appliquée qui naît après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Nord-Américains qui se sont intéressés à la science de l'enseignement des langues. C'est la naissance de la linguistique appliquée. Et ensuite, dans les années, on va dire dans les années 70, il y a la didactique des langues et cultures qui commence. Et finalement, à partir de l'an 2000, quelques années avant aussi, c'est la naissance de la sociodidactique. Alors, dans les années 50, l'approche qui était en vogue, c'était la méthode audio-lingue, on dit en espagnol. En français, c'était l'audio-oral, la méthodologie audio-orale. Dans les années 70, l'approche communicative, les deux étapes, et la deuxième étape dans les années 80, là où on a l'approche par l'étage. Et finalement, avec la publication du cadre européen de référence, on voit la naissance de la perspective actionnelle. Alors, dans l'approche audio-orale et dans l'approche communicative, on travaillait par objectif, alors que dans la perspective actionnelle, on travaille avec les compétences. C'est la première différence, on va dire. Christian Puren dit que dans l'approche communicative, l'objectif, c'était le voyage touristique. C'est-à-dire que
rencontré des personnes dans un voyage touristique. On fait des échanges, mais on voit ces gens, on voit ces personnes une seule fois, on se déconnecte et on ne les voit plus. Alors que dans la perspective actionnelle, il s'agit de rencontrer des gens pour travailler, pour agir avec ces gens. Et donc, c'est une autre approche. Ce n'est pas simplement de voir, de comprendre, de demander, de poser des questions, mais c'est de comprendre les gens de la part de la culture. C'est la tolérance, la compréhension de l'autre et le dialogue interculturel. Alors, dans l'approche par objectif, dans l'approche audio-orale, le référent linguistique, c'était la linguistique structurale. La théorie d'apprentissage, c'était le conditionnement, le behaviorisme, comme on dit. La compétence à développer, c'était la compétence linguistique, que Chomsky nous parlait de ça. Et l'approche, c'était une approche monolingue et monoculturelle. Et les référents, à l'époque, c'était Basic English dans les années 30, le français fondamental dans les années 50, et ils sont publiés à Londres. C'est important de voir ça, et nous allons voir pourquoi. Ensuite, dans l'approche communicative, nous avions comme référent linguistique la grammaire générative, l'énonciation et la pragmatique, et aussi la linguistique textuelle qui a vu la naissance en Allemagne. La théorie d'apprentissage, c'était le cognitivisme, le constructivisme, et c'est une évolution dans ces théories. Et là, maintenant, la compétence, ce n'est plus la grammaire structurale, c'est la communication. C'est la compétence communicative. Et l'approche, c'était une approche bilingue et biculturelle. Et le référent, the threshold level, ou le niveau seuil, comme on dit en français, est publié par le Conseil de l'Europe. Dans l'approche actionnelle, le référent linguistique, c'est l'énonciation et la pragmatique, et la linguistique textuelle. Les théories d'apprentissage, l'interactionnisme social et le socioconstructivisme. Et c'est logique parce qu'on parle d'un acteur social. On ne voit pas l'apprenant comme un sujet qui va recevoir des informations, mais c'est quelqu'un qui va chercher à résoudre des problèmes dans une société qui n'est pas la sienne et travailler avec des gens qu'il ne connaît pas et qu'il doit rencontrer et va devoir s'adapter et pouvoir interagir. Ici, on cherche à développer la compétence plurilingue et la compétence pluriculturelle. Donc, l'approche est plurilingue et pluriculturelle. Et le référent, c'est le cadre de référence et aussi le CARAP qui naît à partir du cadre de référence. Le CARAP, c'est 2012. Je crois, 2012. Donc, vous voyez, ici, on voit globalement l'évolution de comment ça évolue et on arrive jusqu'à la compétence plurilingue et pluriculturelle. Spécifiquement, je vais parler de la compétence plurilingue parce que c'est à partir de là que nous avons l'intercompréhension. Alors, donc les deux référents, le cadre européen et le CARAP. Le cadre européen commun de référence, il est publié en plusieurs langues, je ne sais pas combien de langues sont jusqu'à présent, français, anglais, italien, portugais, etc. Et le CARAP aussi, qui est publié en plusieurs langues. Alors, pourquoi je parle du CARAP? Parce qu'on parle de plurilinguisme et c'est le référent, c'est là où on va trouver les descripteurs de la compétence plurilingue et pluriculturelle qui est déjà nommée dans le cadre européen commun de référence. Donc, c'est une prolongation du cadre européen commun de référence. C'est une spécificité, on pourrait dire. Et les éléments principaux de ce référent, ce sont les approches plurielles. Et l'intercompréhension des langues, c'est un des quatre éléments des approches plurielles. C'est pour cette raison que je parle du CARAP. Alors, les approches plurielles. En opposition aux approches singulières, monolingues, monoculturelles, cherchent à mettre en œuvre plusieurs langues dans le processus. Donc l'utilisation, peut-être pas au même niveau, mais l'inclusion d'autres langues. Le premier, c'est l'approche interculturelle qui naît dans les années 80, mais on le récupère et on l'utilise dans les approches plurielles. Le deuxième, c'est l'éveil aux langues, ou language awareness, comme on dit en anglais, et en espagnol, la sensibilisation à las lenguas, qui consiste globalement de sensibiliser les apprenants, surtout à l'école, sensibiliser les apprenants
à l'existence d'autres langues. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on nous enseigne à lire et à écrire en langue maternelle. Mais c'est intéressant de montrer aux petits qu'il y a d'autres langues et qu'au moins ils entendent ou qu'ils voient d'autres langues. Donc c'est cette sensibilisation qui va faciliter les choses dans le futur et va avoir une ouverture de la mentalité des petits. Et ensuite, nous avons la didactique intégrée, le CLIL, qui est né dans le monde anglo-saxon. En français, c'est l'enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère. Et en espagnol, la ICLE. Et finalement, nous avons l'intercompréhension entre les langues parentes. Et c'est le thème que nous allons traiter aujourd'hui. J'ai ajouté à ces quatre éléments ou composantes le translanguaging. C'est Ophelia Garcia, une cubaine-américaine, qui a commencé avec cette histoire de translanguaging avec Lin Wei. Et le translanguaging, pour moi, c'est une prolongation de l'intercompréhension de langue. C'est-à-dire que c'est l'usage du répertoire linguistique. Et si on parle de toutes les langues que l'élève ou l'apprenant connaît, pour faire du sens. Par exemple, lire dans une langue et discuter ou écrire en une autre langue. Cette stratégie me semble super importante, surtout pour dans l'apprentissage de langue, évidemment, mais pour les chercheurs. Je donne mon exemple. Avant, je ne voyais que le français. Je me documentais en français parce que je faisais de la recherche en français, donc il faut les lire. Il fallait lire les auteurs en français. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a l'anglais, où il y a la plus grande partie de production scientifique. Pourquoi ne pas profiter de cet outil? Donc, j'ai commencé à lire en anglais et je fais un mélange maintenant entre espagnol, français, anglais, italien, portugais. Je ne parle pas ni italien ni portugais. Cependant, avec l'intercompréhension des langues, je peux lire des choses, les prendre et rédiger des choses en français ou en espagnol. Donc, je m'appuie aussi sur des langues que je ne connais pas, que je ne parle pas, mais que je peux comprendre certaines choses. Voilà, donc ça, c'est un peu le translanguaging. Je propose, dans un manuel que je suis en train d'élaborer, des activités de ce type. Nous avons fait avec une collègue une vidéo qui parle de l'importance de la diversité linguistique. C'est pour les débutants, mais on peut l'utiliser pour d'autres niveaux aussi. La vidéo, on l'a fait en espagnol, on l'a fait exprès en espagnol, parce que ce n'est pas un apprentissage linguistique, mais culturel, on va dire. Ici, on parle de l'importance des langues, de la diversité linguistique et culturelle. On propose cette vidéo en espagnol, mais on fait des activités en français. Les élèves ils vont regarder, écouter, entendre des informations en espagnol, mais après, ils vont devoir faire des activités en français. Je peux proposer un QCM, un vrai ou faux, ou d'autres types d'activités en français. Donc voilà, ça, c'était un exemple. Alors, on commence vraiment dans l'intercompréhension. Je vais lire, excusez-moi, je vais lire ce petit texte. Dans le cadre actuel de développement croissant des besoins de communication suscités par la mondialisation des échanges et au moment où l'Europe, compte tenu des échanges d'élargissement, la question linguistique s'affirme plus que jamais comme un enjeu crucial. C'est Daniel Coste qui dit ça. Alors, il est perçu comme nécessaire de promouvoir d'autres solutions que le recours exclusif de la langue véhiculaire par excellence que constitue l'anglais. Avec ça, je ne veux pas dire que je suis contre l'anglais, mais pas du tout, hein. Mais il faut dire aussi que c'est la langue anglaise qui est utilisée normalement pour les échanges. Mais avec l'intercompréhension, on montre d'autres possibilités. Je citais tout à l'heure, je disais que je peux lire des documents en italien, en portugais et en anglais pour me documenter. Et non seulement l'anglais. La mise en profit de l'intercompréhension des différentes familles de langues constitue en ce sens une alternative qui peut être envisagée. Il s'agit de promouvoir entre locuteur de langue d'une même famille un mode de communication plurilingue. Là, on parle de communication. Moi, je parlais de documentation, mais ça va ensemble. L'intercompréhension, donc, cherche principalement le développement de la compétence plurilingue
Évidemment, à différents niveaux, je peux être très fort en espagnol, et en anglais moyen, en français un peu plus, en italien pratiquement A1, on peut dire. Donc, on appelle ça les compétences partielles. C'est-à-dire que la compétence plurilingue, ce n'est pas une compétence dans laquelle on a le même niveau dans toutes les langues. Ça, c'est impossible. Même les bilingues, ce n'est pas possible. Il y a toujours une langue, on domine plus une langue que l'autre, soit au niveau linguistique, soit au niveau culturel. Alors, son objectif est de conduire l'élève à faire des connexions entre les langues, donc par contraste, par comparaison, réflexion, etc. Et trouver les éléments communs de ces deux langues, qui aideront à apprendre d'autres langues. La base est la langue maternelle, qu'on n'appelle plus langue maternelle, on dit, dans certains cercles, on dit la langue initiale, pour éliminer les problèmes de, si je parle une langue maternelle, si je suis né en Allemagne et je vis en Honduras depuis 50 ans, la langue que j'utilise, c'est l'espagnol. Alors, ma langue initiale, c'est l'espagnol. C'est à partir de cette langue que je vais travailler les autres langues ou que je vais interagir avec les gens ici dans cette situation. Et qui sert de pivot pour accéder à une première langue étrangère. Pareil, le mot étranger, avec l'intercompression de langue, reste un peu pauvre et commence à perdre du poids. Parce que, est-ce que le français, par exemple, est vraiment une langue étrangère? Si on cherche la définition d'étrangère, on va voir que c'est rare, différent, loin. Et est-ce que le français, c'est vraiment loin de l'espagnol? Je parle du point de vue linguistique. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, est-ce que c'est vraiment étranger, le mot qu'on devrait utiliser? C'est pour ça qu'on appelle maintenant les langues additionnelles. Ça peut être L2, L3, L4, etc. Ça facilite les choses pour nous, les didacticiens. Ensuite, ces deux langues servent de passerelle, l'anglais. On peut utiliser l'anglais comme langue de passerelle. Par exemple, quand j'enseigne le français, je donne des documents aux étudiants. Et ils vont se servir de l'espagnol, évidemment, pour comprendre. Mais il y a des mots qui ne sont pas similaires à l'espagnol. Par exemple, adresse, quand on travaille la présentation. Adresse, ça ressemble plus à l'anglais address ou development en anglais. C'est des mots qu'en espagnol, c'est complètement différent. Donc, l'anglais, on peut utiliser l'anglais comme langue passerelle pour accéder à d'autres langues étrangères. Voilà. Ensuite, évidemment, si nous allons parler des similitudes entre les langues, on va devoir analyser un peu l'origine des langues, la famille des langues. Si on voit ici, il y a quelques exemples. Hein, les langues italiques. Donc, on peut faire de l'intercompréhension entre l'espagnol, français, italien, portugais, etc. Mais aussi, comme ce sont des langues indo-européennes, il y aura toujours des similitudes entre toutes ces langues à différents niveaux, évidemment. Dans les langues italiques, c'est très facile parce que ça ressemble beaucoup. Dans les langues germaniques, l'anglais, qui est avec nous depuis des années, donc ça devient une langue très connue, donc elle rentre dans la famille des langues pour l'intercompréhension. Donc on peut se servir dans l'anglais pour apprendre ces langues. Et ça, nous allons le voir, une petite vidéo que nous allons regarder à la fin. Alors, pour faire la description de l'intercompréhension, les stratégies de travail pour l'intercompréhension, il existe les 7 tamis qui ont été proposés par un groupe de chercheurs allemands, un groupe de chercheurs qui s'appelle Eurocom. Et ils ont sorti après le Eurocom Rom, les langues romaniques, l'intercompréhension des langues romaniques. C'est surtout Meisner qui propose ça. Et Meisner, c'est un des collaborateurs du CARAP, du référent pour les approches plurielles. Alors, les 7 tamis. Donc, je vais parler des 7 tamis. Je vais me baser sur ce document de Eurocom Rom et d'un ouvrage que j'ai publié en 2016. Alors, Eurocom Rom, c'est un groupe de chercheurs qui met à disposition une méthode pour l'intercompréhension pour l'apprentissage des langues. L'objectif est de se servir des 7 tamis et de faire conscience chez l'élève des domaines singuliers qui contribuent à la compréhension complexe. Donc, c'est une espèce de sensibilisation, de convaincre les apprenants qu'ils sont capables de comprendre des choses, même sans connaître la langue, sans parler la langue. On commence donc par le premier. Le premier tamis, c'est le lexique international. Des mots comme comédie, grammaire, ingénieur, humour, enthousiasme, musique, taxi, hôtel,
restaurants, les noms des personnes célèbres, même si c'est complètement différent, mais avec la culture, nous avons reçu ces noms comme Eiffel ou Pasteur, ou des mots qui sont étranges, mais qui sont déjà dans notre culture. Les noms des pays, évidemment, les villes, les marques, le produit. Et j'ai ajouté aussi, ça c'est les 7 amis de Meissner, mais j'ai ajouté ça aussi que j'utilise en classe, c'est les mots français utilisés en espagnol. Des mots que les élèves, ça c'est des listes des mots que les élèves m'ont donné, hein. Croissant, chi, collage, boulevard, etc., etc. Ce sont des mots qui existent et qui se prononcent à la française en espagnol. Donc pourquoi ne pas se servir de ça? Ça va nous aider aussi à comprendre des choses. Au niveau phonétique, il y a beaucoup de choses à faire là. La combinaison des voyelles, les mots finaux non prononcés, le GN, etc., etc. Le deuxième tamis, le lexique pan-roman, c'est les mots qui ont les mêmes racines du latin. Ici, vous avez plusieurs exemples. Cursum, curso, curso, corso, cours, 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 etc. Donc, vous voyez, l'anglais, c'est un petit peu différent parce que c'est une langue qui fait partie des langues germaniques. Donc voilà, mais on peut utiliser aussi l'anglais, qui a beaucoup de similitudes. Le troisième, correspondance phonologique. Correspondance interlingue, l'écart est dû aux transformations que les mots ont suivies tout au long de leur histoire. Si on entend fiesta, fête, festa, on voit qu'il y a une même racine. Il y a d'autres exemples ici. J'ai pris comme exemple deux langues indigènes du Honduras, c'est le miskito et le garifuna. Il y a trois mots en miskito qui sont tinki, pliskam, laik. Vous avez une idée de quelle langue on parle là? C'est thank you, please, like. Donc, c'est des mots de l'anglais. Alors, en français, surusia, dans la prononciation, c'est, on va dire comme ça, dégénéré, jusqu'à arriver à de chirurgien, jusqu'à arriver à surusia. Parce qu'il y avait les garifuna, ils ont eu des contacts avec les Français et les anglophones aussi, les Anglais, dans l'histoire. Il y a d'autres mots aussi du garifuna, lundi, je vous laisse deviner les autres jours. Wandaradi, samedi, dimasu. Donc, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Quatrième tamis, graphie et prononciation. Presque toutes les langues romanes se servent des mêmes graphèmes pour transcrire les phonèmes. Et ça, c'est un outil super intéressant qui facilite les choses. Les sons différents et similaires entre les deux langues. En français, les sons qui n'existent pas en espagnol, les nasales, la cédille à l'écrit, la jota qui n'existe pas en français, ce son qui n'existe pas en français, le j. Et le GN qui n'existe pas en français, bah, cette combinaison, ça fait la énée de l'espagnol. Donc, si je montre aux élèves l'alphabet français et je compare avec l'espagnol, il y a eu une seule différence, c'est la lettre énée. Donc, à partir de là, l'étudiant, il dit, ah oui, finalement, c'est pas si rare que ça, le français. Hein. C'est assez similaire. Donc, le travail consiste à ça, à convaincre l'élève que le français, c'est pas vraiment une langue lointaine. Le cinquième tamis. La syntaxe, comme vous pouvez voir, el libro de Carmen, le livre de Carmen, bon, Carmen's book, les anglais. Yo conozco esta ciudad, je connais cette ville, I know this city. Donc, vous voyez, c'est pas toujours le cas, hein, mais globalement, la syntaxe, c'est un peu similaire, surtout entre l'espagnol et le français. Il y a des cas où c'est pas possible, mais ces éléments vont nous aider à, encore une fois, faire que les élèves comprennent qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'ils peuvent se servir de ça. Le sixième, les éléments morphosyntaxiques permet de reconnaître les éléments de base qui structurent les mots et la syntaxe des langues romanes. Les conjugaisons correr, courir, verde, vert, bon, c'est similitudes, hein, c'est les similitudes, les transparences. Ensuite, le septième, les suffixes et les préfixes. National, international, national, international, national, international, finalizado, finalisé, finished, completo, complet, complete. Donc, il y a beaucoup de similitudes par rapport aux préfixes et suffixes. Il y en a d'autres ici. Hein, je pourrais ajouter les néologismes, Internet, Facebook, etc. C'est des mots
qui n'appartiennent pas vraiment à une seule langue, oui, l'anglais, mais qui sont partagés par toutes les langues. On les appelle de la même façon dans toutes les langues. Il y a aussi, je pourrais ajouter aussi, au niveau phonétique, certaines intonations. Les questions, par exemple, les questions de base, par exemple, qu'est, quoi, ou des mots où la typification, tu es français, elle est française, ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Pas toujours, mais il y a des intonations qui peuvent nous servir. Ensuite, la didactique de l'intercorporation, c'est-à-dire comment utiliser toutes ces informations. Il y a des approches qui proposent les livres. Donc, on va parler premièrement de la sensibilisation à la langue et à l'apprentissage. C'est la première chose à faire, de dire, bon, voilà, vous voyez, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et vous allez voir, petit à petit, n'ayez pas peur, etc. Parce que le français, ça, c'est intimide. Quand on entend français, on dit, oh, wow, c'est quoi ça, est-ce que je serai capable de parler comme ça un jour? Et donc, on va montrer que oui, que c'est possible. Faire évoluer les représentations des élèves par rapport à la langue et l'apprentissage, c'est ce qu'on a dit. On cherche le développement de la compétence plurilingue, l'anglais ou autre langue comme langue passerelle. On développe des compétences partielles, comme disait tout à l'heure. Généralement, on est plus fort en compréhension écrite et orale qu'en production. On peut comprendre beaucoup sur une culture et ne pas connaître sa langue. Par exemple, je peux me documenter sur la culture japonaise et ne pas parler japonais. Donc, c'est des compétences partielles. Je connais beaucoup la compétence culturelle, je la développe beaucoup. Alors que la compétence linguistique à zéro pratiquement. Alors, les stratégies d'enseignement, l'approche globale des textes, comme dans l'approche communicative, comme dans l'enseignement des langues généralement, décoder les éléments paratextuels, des informations qui vont nous aider à comprendre, même sans parler de la langue directement. Le titre, l'entête, les paragraphes, la ponctuation, le type et la taille des lettres, les images qui illustrent le texte, la disposition sur la page, les couleurs, les icônes internationaux comme Facebook, YouTube. J'ai fait l'exercice, l'expérience avec mes élèves. J'ai mis un texte, un jour en parlant d'intercorporation, j'ai mis un texte je crois que c'était en chinois, une capture d'écran d'une page internet où il y avait ces icônes. Je n'avais pas expliqué. Ils ont dit, ah ouais, non, mais ça c'est une page internet parce qu'il y a Facebook, il y a les liens pour YouTube et tout ça. Donc, c'est des éléments qui peuvent nous aider. Anticiper, faire des hypothèses, poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que ça donne ça? C'est ceci? C'est cela? Éveiller la curiosité des élèves. L'approche contrastive, comparer afin d'identifier, encore une fois, des différences et similitudes entre les langues et des activités métalinguistiques. La réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire. Faire les comparaisons, relations. Et c'est intéressant parce que quand on demande à un élève, on donne un document, la première chose qu'ils font, c'est traduire automatiquement. Même si on ne le demande pas, ils disent « Ah oui, ils commencent à traduire ». C'est automatique. Et ça montre un peu la motivation des étudiants. Passons maintenant à l'approche par l'étage. Comment utiliser tout ça dans une approche récente dans la perspective actionnelle? Alors, le cadre, il nous dit une perspective actionnelle. La perspective privilégié, c'est actionnel, puisqu'on prend l'apprenant comme usager et comme acteur social ayant à accomplir des tâches, à résoudre des problèmes dans cette culture étrangère, on va dire. Communication et apprentissage passent par la réalisation des tâches. Leur accomplissement passe par les activités langagières, compréhension, réception, production, interaction. Mais nous allons parler aujourd'hui de la réception, la compréhension. Et dans des textes oraux et écrits. Alors, selon Noonan, la tâche est une unité de travail centrée sur le sens, meaning-focused work, impliquant les apprenants dans une compréhension, la production et ou l'interaction en langue cible. C'est-à-dire que le but ici, c'est de résoudre un problème. Avec la langue française, en s'appuyant sur l'anglais, sur l'espagnol, sur d'autres langues, pour résoudre le problème. Donc le but, c'est résoudre le problème. On va faire des fautes et tout, mais on va travailler ça postérieurement. Alors, il faut faire une comparaison obligée entre l'approche communicative et l'approche par les tâches. Quelles sont les différences? On pourrait dire qu'il y a une rupture ou peut-être une prolongation. Je pense que c'est plutôt une prolongation qu'une rupture.
parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on travaille dans l'approche communicative qu'on va utiliser dans l'approche par l'étage. Mais il y a quand même de différences. La progression classique d'une unité didactique dans l'approche communicative est, ou était, si on peut le dire comme ça, la compréhension écrite et orale et audiovisuelle, la conceptualisation, c'est-à-dire la réflexion sur le fonctionnement de la grammaire ou de la phonétique ou de la culture, le réemploi, les productions et ensuite la culture qui était comme un bonus parce que vous avez bien travaillé, on va parler de culture. Et finalement, l'évaluation. Dans l'approche par l'étage, il y a un bouleversement, il y a des choses qui changent. On parle de pre-task, task cycle et language focus. Ça, nous allons voir ça en détail. Ça, c'est un article qui est apparu dans un livre qui s'appelle « L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues » dirigé par Philippe Liria et Lucielle Lacan. Et c'est un article qui a été traduit. C'est un article original de Dave Willis et Jane Willis. Alors, l'approche par l'étage. J'ai ajouté ici le contact culturel parce que je considère qu'avant de commencer un cours, la première chose qu'on doit faire, c'est travailler la culture. Parce que quand on va dans un pays, la première chose, on peut être extrêmement bon en français, mais si on ne connaît pas les codes culturels, on est mal. Je donne un exemple. Un jour, j'étais en Suisse, j'avais acheté un ticket de bus. J'étais pressé, je suis allé au guichet qui était dans un parc. Je dis, mademoiselle, j'ai acheté ces tickets sur Internet. Et la femme m'a dit, bonsoir. Elle m'a bloqué complètement. Je me suis dit, oups, pardon, excusez-moi, bonsoir, vous savez, j'ai fait ceci, cela. Je parle français, je ne suis pas un natif, mais ce code me manquait. Je me suis dit, ah, l'importance de la culture. Donc le premier contact est super important. Le mot bonjour en français, c'est extrêmement important. Le mot « s'il vous plaît, excusez-moi », c'est super important. Pour nous, en espagnol, bon, des fois, on laisse passer, mais bon. Et donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup la culture avant de commencer. Ensuite, l'approche par l'étage propose les tâches préliminaires, les pre-tasks. C'est la préparation lexicale et thématique. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on va faire, c'est travailler le lexique, uniquement le lexique. Déjà, il y a une petite différence avec l'approche communicative. Avec l'approche communicative, on attaquait directement un document, la compréhension. Oui, il y avait le lexique, mais il y avait la grammaire aussi. Et ici, on parle spécifiquement du lexique, d'introduire le lexique qui va nous servir pour réaliser la tâche. Et ensuite, dans la phase de réalisation de la tâche, il y a tâche ciblée, lecture, écoute. C'est-à-dire qu'ici, nous allons proposer aux élèves de comprendre des documents. C'est-à-dire, c'est montrer la langue en situation de communication. Des documents écrits et des documents oraux. Et jusque-là, c'est cette partie dont je vais parler aujourd'hui, de cette introduction, ce qu'on appelle en anglais le input, ou l'input compréhensible, comme on dit. Donc, le reste, bon, voilà, il y a la planification, restitution. Et ce qui est différent avec l'approche communicative, c'est que, ici, on fait une introduction. Et ensuite, on passe ici à la planification. C'est là où commence vraiment la tâche. Les étudiants vont résoudre un problème, mais ils ne savent pas les aspects grammaticaux qui sont avant dans les textes, dans les compréhensions qu'ils ont vues. Et ils ont identifié, ils ont vu, et ils vont les réutiliser sans savoir comment ça fonctionne. Ils vont essayer de déduire en groupe, en classe. Et c'est ça la grande différence avec l'approche communicative. Il y a beaucoup de théories qui disent que, du point de vue psycholinguistique, c'est plus intéressant de cette façon. On dit aussi « aprender haciendo » en espagnol. Donc, c'est un peu ça, la base que donnent Mike Long, Rod Ellis, David Noonan, Willis. Ils parlent de ça. Ben, il y en a qui ne sont pas pour, mais la majorité sont d'accord avec cette vue, cette vision. Ensuite, le retour à la forme, c'est la conceptualisation grammaticale. OK, vous avez déjà utilisé la grammaire. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Je me rappelle que vous aviez des questions quand vous étiez en train de préparer un texte. Ben voilà, nous allons voir ça maintenant. Donc, c'est la réflexion de la grammaire vient après l'avoir utilisée. C'est intéressant. Et finalement, le réemploi. Et dans le réemploi, il y a les productions. Et là, on peut répéter la tâche qu'ils ont fait. Mais cette fois-ci, en ayant travaillé la grammaire, la phonétique, etc.,
Donc, c'est une deuxième proposition de la tâche. Évidemment, il y a moins de fautes, moins de problèmes, moins d'erreurs. Je trouve que c'est une façon de faire très intéressante. Il faut la connaître. Ce n'est pas facile. Si nous sommes habitués surtout à travailler avec l'approche communicative et qu'on nous dise « Non, 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 maintenant on va travailler d'une manière différente », c'est très difficile de l'accepter. Mais il faut découvrir, il faut essayer, il faut voir. Et il faut se documenter beaucoup, beaucoup pour savoir comment ça se passe dans chaque étape de l'approche par les tâches. Parce que tout est l'action, donc c'est la perspective actionnelle, toujours réaliser des choses, faire des choses, même si je ne suis pas sûr de ce que je suis en train d'utiliser, ben je vais me rendre compte si c'est bon, si ce n'est pas bon, je fais des hypothèses. Et l'idée, c'est d'utiliser la langue, les ressources que j'ai, le peu de ressources que j'ai pour réaliser la tâche. Parce que le but, c'est la tâche, résoudre un problème dans une société. Voilà. Ensuite, l'entrée par l'écrit. On parlait de le lexique et la langue en situation. J'ai trouvé quelques textes intéressants ici. Excusez, Jana. Et le support écrit devient une aide considérable pour sécuriser l'apprenant et son apprentissage. Sécuriser l'apprenant, c'est extrêmement important. Quelle que soit la forme du support papier, télévisuel ou numérique, le temps de fréquentation de l'écrit est aujourd'hui de plus en plus important, de plus en plus nécessaire. Avec les réseaux sociaux, c'est plus que clair. C'est l'écrit, évidemment, les vidéos aussi, mais l'écrit, c'est vraiment capital. Nous savons que c'est la reconnaissance du lexique qui intervient en premier dans la lecture compréhension en langue 1, comme en langue étrangère. Les concepts de transparence et d'opacité sont, dans notre perspective, particulièrement importants. C'est James et Cadeo qui ont dit ça. Donc, c'est dans cette partie où je pourrais dire qu'on peut intégrer l'intercompréhension. Dans l'approche par les tâches, disons qu'il y a une différence. C'est le monde anglo-saxon qui a commencé avec ça et comme vous savez, il n'y a pas vraiment cohésion entre le monde anglo-saxon et le monde européen méthodologiquement. Et on parle de plurilinguisme, les anglo-saxons, ça ne les intéresse peut-être pas parce que l'anglais c'est la langue la plus parlée, etc. Et donc ils ne parlent pas d'intercompréhension par exemple. Il y a beaucoup d'études par anglophones mais la majorité disent ouais non mais avec l'anglais c'est bon. Et alors, je pense que l'intercompréhension, on peut l'introduire dans cette partie, dans cette progression de l'unité didactique de l'approche par les tâches. Et ça rentre parfaitement et ça aide à améliorer le processus d'enseignement et par conséquent de l'apprentissage. Voilà, j'ai un petit exemple ici d'un livre que je suis le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Et les premières activités qu'on devrait proposer selon l'approche par les tâches, c'est l'identification du lexique. Les mots qui sont là, ben, il y en a qui vont peut-être reconnaître, mais d'autres non. Le bonjour, c'est classique. Rien qu'à... On observe les images, on sait que c'est des salutations, ou prendre congé, et voilà, donc c'est déjà une information. Donc, ils vont identifier ce lexique, ils vont le voir peut-être pour la première fois. Je vais continuer avec une deuxième activité où il y a ces mots, des noms des chansons qui existent, c'est des réels, des chansons réelles qui existent. Il y a des groupes que je ne connais pas, je n'ai jamais écouté, mais ben, je les ai trouvés, je me suis dit, ah, très bien, je vais le mettre ici. Ensuite, je leur demande de classifier, parce que c'est le type d'activité que nous devons réaliser selon l'approche par les tâches, c'est l'association et la classification, c'est-à-dire les activités de moindre niveau cognitif, c'est-à-dire qu'il y a moins de réflexion, il y a moins de complications. Des activités toutes simples, identifiées entre eux, ils vont dire, ah ben regarde, non mais je pense que bonne nuit, ça fait un peu noche, hein, nuit, donc je pense que c'est peut-être dire buenas noches, donc c'est prendre congé. Donc ils vont classifier de cette façon. Évidemment, le professeur va les guider et va les aider ou dans le cas où il y aurait des problèmes. Ensuite, on propose une petite production, un entraînement oral de reproduction de ce petit dialogue. Ensuite, il y a une autre activité un peu plus compliquée, dans la deuxième étape, qui est la langue en situation, ou le lexique aussi. OK, vous voyez toutes ces informations, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas possible, et pour un premier niveau, tant d'informations. Croyez-moi, c'est possible, c'est faisable.
On le voit comme ça, comme professeur, on dit, non, mais attends, les élèves, il y a trop d'informations. Je l'ai déjà pratiqué en classe et je n'ai pas eu de problème. Bah, c'est Andrea travaille à la bibliothèque. C'est une tâche, hein, tout ça, c'est une tâche. Et il y a une tâche à réaliser à la fin. Andrea travaille à la bibliothèque, il a fait une mauvaise manipulation et il a effacé les informations des fiches des étudiants. Pour compléter les fiches, elle se sert d'une liste des étudiants. Ça, c'est la liste des étudiants qu'elle avait dans un cahier. Elle regarde la liste des formations sur le site de l'université. Ça, c'est la liste des formations, l'offre de formation de l'université, l'université X. Et d'un message vocal qu'elle a demandé à sa collègue de lui envoyer, nous avons ici le message vocal, elle vous demande de l'aider à compléter les fiches. Elle demande à ses collègues de classe, hey, vous savez, j'ai ce problème, aidez-moi, je ne sais pas comment faire, et tout ça. Donc, elle va se servir de la liste des étudiants, des offres de formation de l'université et du message vocal pour compléter les fiches. Et même dans les fiches, il y a des informations qui vont les aider, des pistes pour trouver la solution. Alors, le message vocal qu'ils vont entendre, c'est ça. Andrés Martinez, il est colombien, Juliette Levasseur, elle est canadienne, Tobias Larsson, il est suédois, etc., etc. Donc, ils vont associer la liste des étudiants, les formations et le message vocal avec les informations qui sont là. Le centre d'intérêt de cette personne, c'est les courts-métrages. Ah ben, je pense que c'est un étudiant de cinéma. Et de cette façon, ils vont, avec la nationalité, le nom et la nationalité, ils vont finir par compléter les fiches. Ce n'est pas facile, mais c'est très agréable. Les étudiants, ils aiment beaucoup. Un professeur va dire, non, mais c'est trop compliqué. Ça va me prendre du temps et tout ça. Mais c'est faisable et ça marche sans problème. Je l'ai pratiqué et il n'y a pas de problème. Après, on peut demander un peu de réutilisation à partir de ce qu'ils ont trouvé. Je m'appelle Andrés Martinez, je suis colombien, je suis étudiant en architecture. Et après, eux, ils vont se présenter ou présenter quelqu'un d'autre. Donc, c'est un exemple de tâche en se basant, je me base sur l'intercompréhension. Je sais ce que mes élèves vont comprendre. Je sais parce que c'est mon public. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la contextualisation. Il faut connaître le public pour savoir quel type d'activité on peut proposer. Je sais qu'ils sont capables de comprendre tout ça. Et c'est curieux parce que je leur dis, OK, vous allez lire ça et ils commencent à traduire automatiquement. C'est un réflexe. Et je dis, non, mais c'est bon, calmez-vous, on va commencer. Mais c'est intéressant tout ça, de le voir de cette façon. OK, ensuite, j'ai un document. Ça, c'est un document qui appartient à la vidéo que nous allons regarder à la fin, que nous allons visionner. Mais je l'ai pris ça comme exemple. Je peux commencer le premier cours de français, débutant complet. Je leur dis, est-ce que vous êtes capable de comprendre un texte en français? Ah non, 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 ce n'est pas possible. Bah, écoutez, je vais vous montrer que vous êtes capable. Lisez-moi ce texte et après, répondez-moi à ces questions. Le texte est en français, les questions sont en espagnol. Ils vont lire le texte automatiquement, ils vont commencer, le géographe français, ils vont commencer à traduire. Et à la fin, ils vont répondre 9-10 questions. Et à la fin, ils disent... Je ne savais pas que c'était si facile que ça. Et donc, je commence à gagner mon public. Une fois travaillé cette incompréhension, je n'ai pas à expliquer dans l'activité suivante la compréhension d'un document. Automatiquement, ils vont commencer à utiliser les stratégies pour dire, non, mais attends, ça ressemble un peu à l'espagnol ou à l'anglais. Et qu'est-ce que tu crois? Ils commencent à faire des hypothèses. Et donc, je gagne énormément de temps. C'est pour cette raison que l'intercompréhension doit être intégré dans la classe. Normalement, on dit que normalement, dans les niveaux débutants, selon la théorie des anglophones, on ne peut pas travailler l'approche par l'étage avec les premiers niveaux. Je pense que c'est possible. Si on connaît le public, je peux proposer des documents. Par exemple, ça, c'est une tâche pour des débutants. Et j'ai constaté qu'ils peuvent le réaliser. Donc, évidemment, ils ne vont pas parler français pour négocier et tout ça, mais ils vont déjà commencer à utiliser les mots et ils vont résoudre un problème. Et c'est ça l'objectif de l'approche par l'étage. Donc, pour moi, c'est faisable, c'est possible. Donc, voilà. Et ensuite, les manuels. On va parler des manuels aussi, parce que c'est curieux qu'on parle de la théorie, les approches par l'étage, la perspective actionnelle, le cadre. Tout le monde parle de la perspective actionnelle. Il faut s'actualiser, il faut utiliser la perspective actionnelle, mais il n'y a pas de matériel.
il n'y a pas de matériel. Les manuels communicatifs, bon, on les connaît. Les manuels basés sur l'approche par les tâches et les manuels qui s'appuient, c'est un peu différent, qui s'appuient sur les tâches, qui utilisent les tâches, une tâche à la fin. Et je ne veux pas donner des noms des manuels. Ils mettent une tâche à la fin, ils disent « Ah oui, c'est un manuel actionnel ». Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas tout simplement ajouter une tâche à la fin. Non, ça, ce n'est pas l'approche par les tâches, ni la perspective actionnelle. Alors, les Espagnols, en 2004, ils ont produit ce livre qui s'appelle « Gente », Ernesto Martín Pérez et Neusanz Baulenas. C'est deux Espagnols qui produisent des choses super intéressantes. Ils appartiennent à la maison d'édition Diffusion, qui est la sœur de Maison des Langues. Et, Donc je pourrais dire que c'est le premier livre basé sur les tâches. Il est vraiment élaboré à partir des tâches. À l'intérieur, il n'y a que des tâches, du début à la fin. Ensuite, ça c'est dans le monde hispanophone, dans le monde anglophone, francophone, de Manuel. Le premier, le nouveau rond-point de 2011. Et Neusanz dit que ce livre a été créé à partir de Gente, du manuel en espagnol, je ne sais pas. Mais il est vraiment très, très bien. Bah, il date un peu, mais il est très, très bien. Et ensuite, nous avons version originale 4. C'est la main de Christian Puren. Et là, on voit effectivement l'approche par les tâches dans ce niveau. En français. Après, je n'ai pas vu de manuel. Il y a des manuels super intéressants. C'est Clé International, Maison des Langues, Atier, etc. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est notre travail comme didacticien d'analyser ces manuels et proposer des choses même aux maisons d'édition. En anglais, j'en ai trouvé que deux. Widget, ça c'est objectif spécifique. Et Cutting Edge, c'est pour l'anglais général de 2013 et 2008. Et après, je n'ai pas vu de manuel basé sur les tâches. Hein. Je termine par cette phrase qui n'est pas à moi, mais que je trouve très intéressante. El monolinguismo es curable. Donc il faut toujours aller chercher des langues, comprendre des langues. Et je voudrais aussi terminer par une petite vidéo. Oui, c'est juste, on a 5 minutes. Une petite vidéo que j'ai élaborée comme ça, avec mes propres moyens. Et c'est une vidéo que j'utilise pour les premiers jours de cours. Et comme je vous disais, ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est une vidéo qui sensibilise les apprenants à l'apprentissage des langues, à la compréhension, à l'intercompréhension des langues. Voilà, on termine avec cette vidéo. C'est moi qui dois la projeter. OK, c'est ça, oui. Est-ce qu'ils parlent espagnol? ¿Es fácil aprender francés para las personas que hablan español? Por supuesto que sí. Si tu lengua materna es el español, el portugués, el italiano, el catalán, etc., aprender francés debería ser muy fácil. Pero, ¿por qué? Porque todas estas lenguas comparten un mismo origen, pertenecen a la misma familia de lenguas. El origen del francés y del español. Existen en la actualidad aproximadamente 7.000 lenguas. Entre esas 7.000 lenguas hay muchas familias. En este video hablaremos de algunas de esas familias, les grandes familles linguistiques. Empecemos por la familia Esquimo-Aleut. Luego tenemos les langues amérindiennes, les langues indo-européennes, les langues ouraliennes, les langues altaïques, les langues chamito-sémitiques, les langues nilo-sahariennes, les langues nigéro-congolaises, les langues bantoues, les langues khoisanes, les langues dravidiennes, les langues sino-tibétaines, les langues austro-asiatiques, les langues austronésiennes, les langues papoues et les langues australiennes. Ahora nos centraremos en la familia de lenguas indo-européas. Los estudios sobre el origen de las lenguas nos muestran que probablemente entre los siglos 4 y 5 a.C., en una región entre Europa y parte de Asia habitaban varios pueblos, a los cuales se les llamó indoeuropeos. Y a la lengua que hablaban se le llamó indoeuropeo.
Hacia el siglo I antes de Cristo, estos pueblos empezaron a emigrar hacia Europa y Asia. Al separarse, la lengua de cada uno de estos pueblos empezó a evolucionar, dando así origen a nuevas familias de lenguas, como por ejemplo, les langues slaves, les langues baltes, les langues germaniques, les langues celtiques, les langues italiques, le grec, l'albanais, les langues iraniennes et les langues indiennes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas nuevas familias de lenguas que se crearon a partir del indoeuropeo. Les langues celtiques, les langues germaniques, les langues baltes, les langues slaves, les langues italiques, les langues iraniennes, les langues indiennes, le grec et l'albanais. Y aquí algunos ejemplos de cada una de estas familias de lenguas. Como verán, la que nos interesa a nosotros es les langues italiques, porque de ahí surge el español y el francés. Y las demás lenguas, italiano, portugués, etcétera, etcétera. La que nos interesa entonces es les langues italiques, la familia de langues italiques, de donde surge el español y el francés. Ahora es el momento de hablar de las lenguas itálicas, les langues italiques. Hacia el primer milenio antes de Cristo, los pueblos itálicos se establecieron en la península itálica. Algunos de estos pueblos son Ombrien, Osque, Falisque y Latin. Se habla de dos grupos lingüísticos principales: el sabélico, que comprendía las lenguas osco y umbro, y por otra parte estaba también el grupo latino-falisco, que incluye las lenguas falisco y latín. Los latinos que hablaban latín se establecieron en lo que hoy se conoce como Lacio. El latín era la lengua hablada por los romanos, quienes invadieron muchas regiones donde impusieron el latín como lengua oficial. Hablamos de latín vulgar, diferente al latín culto hablado en Roma por los nobles y los intelectuales. Con el tiempo, las lenguas habladas por estos pueblos invadidos empiezan a evolucionar y se convierten en las lenguas que llamamos actualmente lenguas romance o románicas y que son más de 45. Resumiendo, del indoeuropeo surgen les langues italiques, de langues italiques surge el latín, que se divide en dos, el latín clásico, el latín vulgaire, y del latín vulgar, les langues romanes, y entre ellas el español y el francés. Les similitudes entre le français et l'espagnol. En este cuadro podemos ver algunas similitudes a nivel lexical entre las lenguas romance y, como podemos ver, existen muchas palabras del francés que se parecen a las del español. Desde un punto de vista de la sintaxis, también hay similitudes. En francés decimos je parle français, en español yo hablo francés. Él parle français, ella habla francés. Por otra parte, el alfabeto también es prácticamente el mismo entre el francés y el español, con algunas mínimas diferencias. Existen también palabras de origen francés que se utilizan en español. Y todos estos elementos nos ayudarán a comprender textos orales y escritos en francés. Croissant, chic, collage, boulevard, baguette, canapé, champignon, bouquet, vedette, déjà vu, petit pois, argot, boutique, ballet, souvenir, madame, glamour, cliché, cabaret, matinée, champagne. L'intercompréhension de l'écrit. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tienes un documento totalmente en francés. ¿Eres capaz de comprenderlo sin hablar francés y apoyándote únicamente en los aspectos que te acabo de mencionar? Por supuesto, te puedes apoyar también en tus conocimientos en inglés u otras lenguas que ya conoces. Te propongo que observes y leas el documento en francés y que respondas las preguntas en español. Puedes poner pausa al video para leer el documento. Aquí están las preguntas. ¿Has podido comprender el documento? ¿Qué estrategias has utilizado para comprenderlo? Ahora veamos el oral, la intercomprensión del oral. Podemos hacer lo mismo también con el oral. Vas a escuchar un documento en francés, luego responde a las siguientes preguntas en francés a partir del documento que escuchaste. Puedes poner pausa y leer las preguntas antes de escuchar el documento para facilitar la comprensión. ¿Cómo él se apela? Quelle est sa nationalité? Elle habite où? Elle est étudiante en... Elle travaille où? Elle a quel âge? Quel est son état civil? Comment s'appellent ses enfants? Où elle passe ses vacances? Et qu'est-ce qu'elle aime? Bonjour, je m'appelle Sarah.
Je suis hondurienne, mais j'habite à Québec. Je suis étudiante en architecture et je travaille dans une pharmacie. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, Monica et Adrien. Je passe mes vacances à Toronto. J'aime la musique et le théâtre. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis hondurienne, mais j'habite à Québec. Je suis étudiante en architecture et je travaille dans une pharmacie. J'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, Monica et Adrien. Je passe mes vacances à Toronto. J'aime la musique et le théâtre. Au revoir. ¿Has podido comprender el documento? ¿Qué estrategias has utilizado para comprenderlo? ¿Te has dado cuenta? ¿Eres capaz de comprender también documentos orales en francés y has podido responder a una actividad completamente en francés? ¡Bravo! A partir de ahora, cada vez que leas o escuches un documento, recuerda apoyarte en tus conocimientos en español y en otras lenguas para comprenderlo mejor. ¡Bon travail! Donc voilà, ça c'était un exemple de comment on peut se servir de l'intercompréhension des langues. Et c'est valable pour toutes les langues, hein, pour l'anglais, pour l'italien, pour le portugais, etc. Et ce type de document, rien qu'à le regarder, un étudiant va dire « Ah oui, finalement, oui, je peux me servir des choses. » Et encore une fois, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc l'intercompréhension fait partie des stratégies d'enseignement. Et il faut se servir, il faut l'utiliser. Voilà, c'est tout pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous avons des questions? Merci beaucoup, premièrement. On va vous applaudir à nouveau. Merci. Et s'il y a quelqu'un, peut-être sur Zoom, qui a des questions, peut lever la main. Ou parler aussi, je crois que maintenant c'est possible. Ou faire des commentaires aussi. Complètement, complètement. Il y a ce risque, évidemment, il y a ce risque. Donc, c'est l'enseignant qui doit sensibiliser, parce qu'au début, on n'a rien, on part pratiquement de zéro dans la langue cible. Donc, on doit se servir de tout ce qu'on a. Et c'est pour ça l'utilisation de cette langue. Petit à petit, on va leur dire, non, mais c'est bon, l'espagnol, vous l'avez assez utilisé. Là, c'est le moment d'avancer un peu plus et de se servir de la langue française. Mais oui, il existe ce risque, comme dans toutes les stratégies. Hein. Et il faut faire très attention, et c'est le travail de l'enseignant, de sensibiliser. Ouais. D'autres questions? Là, on est dans l'incompétence plurilingue. C'est d'intégrer toutes les langues. Et oui, il faut jouer ce rôle. Je dis toujours que les enseignants de langue, nous avons un problème. Certains, hein, pas tous, nous avons un problème, c'est que nous voulons que l'apprenant devienne anglais, devienne italien, devienne français. Et dans l'effort de vouloir leur apprendre la langue,
Mais on fait une grosse faute, c'est il faut montrer que la langue de l'apprenant est extrêmement importante. Donc il faut faire un équilibre entre les deux. Il faut montrer la culture française, faire découvrir la culture française, mais en même temps revaloriser la langue et la culture de l'apprenant. Il faut pas dire à l'apprenant, non, c'est bon, c'est un cours de français, tu parles pas en espagnol. Donc comment on peut demander à quelqu'un de supprimer sa langue maternelle? Évidemment, le cours ne va pas être en espagnol, mais on va essayer d'éviter, mais dire que l'espagnol a une place importante aussi dans l'apprentissage. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Un petit commentaire par rapport aux documents authentiques. J'espère ne pas gêner des gens qui nous écoutent ou s'il y a des spécialistes. Il faut dire principalement que le mieux, c'est d'utiliser des documents authentiques. Ça, c'est clair. Là, il n'y a pas de discussion. Seulement, il y a un paradoxe, c'est que dans les manuels, il n'y a pas beaucoup de documents authentiques. Et c'est logique, parce qu'utiliser un document authentique, ça veut dire payer, acheter des documents. Et ce n'est pas donné, hein. C'est extrêmement cher. Donc, les maisons d'édition, ils cherchent à faire de l'argent, mais ils ne vont pas perdre l'argent. Acheter un film, acheter une affiche, acheter une chanson, c'est super difficile. Si on ne travaille pas avec un manuel, on peut se servir de tout ce qui est sur Internet, de tous les documents authentiques qu'on peut trouver. Il y a une deuxième option, et c'est là où NeoSense... Il y a une enseignante d'espagnol langue étrangère que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Et elle dit qu'il faut travailler avec des documents authentiques, mais il faut être réaliste et on peut créer des documents aussi le plus proche aux documents authentiques, étant donné les difficultés que nous avons, les difficultés économiques. Donc c'est une manière de faire aussi, de construire des documents. Tout ce que vous voyez là, ça, cette page, elle n'existe pas. Hein. C'est moi j'ai fait un collage de plusieurs documents. Ça, je l'ai fait à la main. Après, j'ai pris une photo et voilà, je l'ai collé là. Le reste, ça, c'est, je l'ai créé, tout ça. Et le document, il y avait un autre document. Non, c'était... l'audio. Oui, le document audio. J'ai téléphoné à une amie qui est en France. Ouais, tu sais, tu pourrais m'enregistrer ça. Elle m'a envoyé le message vocal. Je l'ai édité, coupé et tout. Et voilà, je l'utilise comme ça. Tout ça aussi, je l'ai créé. Et voilà, donc la création du matériel est importante aussi. Bien sûr, il faut pas oublier les documents authentiques. C'est extrêmement important. On utilise un manuel, d'accord, mais on a la possibilité d'aller chercher des documents authentiques pour enrichir la classe. Mais c'est valable aussi de créer des documents. Dans nos activités. Voilà. Donc, on vous remercie okay. De votre conférence. C'est très intéressant. Et de cette manière, on finalise, n'est-ce pas, cette activité. Je vous remercie aussi les personnes qui nous accompagnent. Si. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là et merci aux gens qui se sont connectés. Et pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là, de partager avec vous, avec les gens qui sont... dans Zoom aussi. C'est une belle expérience. J'espère que nous allons continuer avec ces échanges, pas seulement entre l'Honduras et le Costa Rica, mais avec d'autres pays. Il faut être pluriel, la pluriculturalité et les échanges interculturels. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Bonne soirée.